Aujourd'hui, dans la série, on termine avec la question « Comment te renouvelles-tu ou comment te reposes-tu » Donc, on a commencé avec plusieurs questions. La première question était « Qui es-tu ?» Donc, toute l'idée de « Qui es-tu »« Que cherches-tu »« Où es-tu ? Où en es-tu »« Qu'as-tu dans la main ?» Et toutes ces questions-là, pour ceux qui peut-être prennent le message pour la première fois, toutes ces questions-là ont été un petit peu tirées dans les Écritures. C'est des questions que Jésus a posées à ses disciples ou que Dieu a posées à un moment donné dans l'Ancien Testament à Adam, etc. Tout ça. Donc, qui es-tu? Que cherches-tu? Où es-tu? Qu'as-tu dans la main? Avec qui marches-tu? Et on a posé la question de la semaine dernière qui était où est ta foi dans l'adversité? Ou est-ce que Jésus, à un moment donné, dans la tempête, pose la question à ses disciples en disant « Où est votre foi ?» Et ce matin, on termine avec « Comment te renouvelles-tu ?» ou « Comment te reposes-tu » Et on va aller dans les Écritures. Il y a un texte des Écritures où est-ce que les pharisiens vont poser une question sur l'idée du jour du repos, sur l'idée du repos même à Jésus, mais en même temps, une question accusatrice. Mais qui amène normalement un petit peu sur le sujet, mais en même temps, vous allez comprendre pourquoi est-ce que j'ai fait sortir ce verset-là. Dans Marc chapitre 2, verset 24, les pharisiens dirent à Jésus, « Voici pourquoi tes disciples font-ils ce qui n'est pas permis pendant le sabbat ?» On sait que le sabbat, dans la culture juive, c'était considéré comme le samedi, il fallait le sabbat lui-même signifie littéralement repos, un moment d'arrêt, un moment de le verbe même littéralement signifie s'arrêter, se reposer. Et le sabbat avait été institué depuis l'Ancien Testament. Et dans l'idée même du sabbat, c'était considéré comme un moment de repos. Les pharisiens en avaient fait littéralement une espèce de loi. Extraordinairement contraignante, que jusqu'aujourd'hui, si vous partez en Israël, vous allez, moi j'ai vécu un choc culturel quand j'étais à Jérusalem, la journée du sabbat. C'est, vous donnez un peu comment à quoi ça ressemble, ça commence vendredi soir à la fin de la journée, et tu n'as pas le droit même de chauffer de la nourriture. Donc le samedi matin, on était réveillé dans un hôtel 5 étoiles, on commence la journée comme cela, et les comprenez très bien que les Québécois qui sont là, qui ont l'habitude de prendre un café, qui descendent dans le hall de l'hôtel pour pouvoir chercher leur café régulier, on dit, mais on est samedi matin, c'est journée de sabbat. Il n'y en avait pas de café. Il n'y en avait pas. Donc, le choc. Et puis là, on va dans l'espèce du hall de l'hôtel où est-ce que il y a un buffet qui est servi. Durant toute la semaine, on mangeait comme des rois. Puis là, le samedi, il n'y en avait que de la bouffe froide. Donc, des viandes froides, des affaires froides. Puis là, on vivait le choc. Et on sort de Jérusalem, on commence à marcher, on commence à se balader. La ville est déserte. Il n'y a même pas de transport en commun. Donc, pour donner un peu une idée, là, c'est vraiment ville morte. Le tramway ne passait pas, et rien. Puis là, on s'est mis à se balader. Puis à un moment donné, il y a des gens qui étaient chez eux qui sont mis à crier après nous, mais frustrés en lançant des affaires, parce qu'il y a un nombre de pas qu'on n'a pas le droit de dépasser le jour du sabbat. Puis nous, on se baladait comme des touristes en ville. Donc ça ne marchait pas, ça. Donc, et comprenez, donc, pourquoi est-ce que je raconte ça? C'est parce que la réalité est que ils en avaient fait une loi avec tellement de constrictions et le sens même du sabbat avait perdu toute sa valeur, concrètement. Et Jésus va répondre par rapport à ça en disant, non, vous n'avez rien compris. Il dit, le sabbat a-t-il été fait pour, est-ce que normalement l'homme a-t-il été fait pour le sabbat? Ou le sabbat est-il fait pour l'homme? Il dit, sachez que je suis le maître du sabbat. Comprenez-moi un petit peu? Donc Jésus essaie de rétablir cette question-là, qui est une question tordue littéralement, en disant, non, je suis le maître du sabbat. Comprenez très bien. Le sabbat a été fait pour l'homme. Donc il sert l'homme. Il permet à la personne de se reposer. Ce n'est pas une contrainte
que l'homme doit se soumettre et forcément fonctionner et complètement. Donc, il essaie de restaurer cette réalité-là. Mais en même temps, on voit dans les Écritures, et puis on va voir dans d'autres textes des Écritures, dans Marc chapitre 6, verset 31, Jésus lui-même qui dit à ses disciples, il dit, « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. » La Bible parle dans Genèse 2, verset 2, on dit « Dieu lui-même acheva au septième jour son œuvre et qu'il avait faite et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. » Le sabbat était au cœur même. Et si vous lisez les Écritures, vous lisez au niveau des 10 commandements, Exode chapitre 20, vous allez voir que le sabbat était vraiment même au cœur même de la vie, de la marche de foi. Il y a comme une espèce de le besoin du repos. Vous avez besoin de vous reposer. Vous avez besoin de pouvoir vous renouveler dans votre énergie, etc. Tout ça. Le repos est au cœur de la marche de foi. Dans l'Ancien Testament, le sabbat faisait partie, prochaine diapo, ça faisait partie des 10 commandements. Et même dans le Nouveau Testament, à plusieurs reprises, l'idée même du repos revient en disant « Efforcez-vous d'entrer dans le repos. » Il y a toujours cette dynamique là pour dire « Il faut que vous reposez. » Pourquoi est-ce que je parle tellement de ça, du repos? Nous sommes un petit peu, j'ai mis une image là, nous sommes un petit peu c'est pas le cas, mais nous sommes comme des véhicules. Bon, quelle que soit la puissance du véhicule, quel que soit ce que le véhicule a comme option, comme moteur, comme puissance, comme toutes ces choses-là, il a besoin de recharger soit sa batterie ou recharger son réservoir ou remplir son réservoir. En fait, le véhicule a besoin de s'arrêter pour pouvoir prendre le temps de remonter. La même manière, Dieu a mis en nous des potentiels. Dieu a mis en nous de l'onction, sa grâce, sa présence, son esprit. Il a mis en nous plein de choses. Et nous avons besoin d'avoir des moments de recharge. Des moments où est-ce qu'on vient normalement se recharger spirituellement. On vient de façon réelle. Donc la question, comment te reposes-tu, est essentielle. Et comment te reposes-tu va impliquer deux aspects. L'aspect de comment te reposes-tu dans ton être entier. Et ça va expliquer tout l'aspect de l'équilibre dans le repos. Donc, l'aspect de l'être entier, vous savez, on réalise pas cela, mais comment te reposes-tu normalement va impliquer comment te reposes-tu corps, âme et esprit. Le gros défi, souvent, c'est que quand on pense au repos, on dit, bien, comment te reposes-tu? On va normalement se reposer en allant dormir, etc. Tout ça, puis c'est bien, c'est excellent. Mais l'idée même du repos dans la réflexion, de l'introspection, a besoin d'impliquer les trois aspects de nos vies. Le repos dans ton corps, le repos dans ton âme et le repos dans ton esprit. On a besoin de se reposer. Et ça, là, je l'ai appris à la dure, à la très dure. Je l'ai appris à la dure. Parce que une des choses, c'est que une des grandes erreurs qu'on fait, c'est que lorsqu'on pense au repos, on dit, bon, ok, on va aller faire une bonne nuit de sommeil, puis c'est correct. Puis, dans ton corps, tu es reposé, mais tu peux être reposé dans ton corps sans être reposé dans ton âme ou dans ton esprit. Tu peux normalement aller, puis on va dire, ben, dans mon âme, je vais pour vivre du repos, je vais prendre un temps de retrait, je vais jeûner, etc. Tout ça, c'est merveilleux. La Bible nous enseigne à jeûner. Et je vais m'engager pour jeûner à peu près 10 jours de jeûne et de prière. Et c'est extraordinaire. J'ai des moments d'intense de prière, d'écoute. Et puis, dans ton âme, tu vis un moment de spirituel puissant. Tout ton environnement est très aseptisé. Tout ça ou quoi, tu es reposé. Mais dans ton corps, tu peux normalement être particulièrement fatigué. Ça va ou je prêche tout seul là? Donc voilà pourquoi je parle de l'idée d'être reposé dans son être entier, mais aussi un équilibre dans le repos. Parce que moi, j'ai déjà vu des amis se retrouver à l'hôpital après 40 jours de jeûne. C'était génial!
ça te fait très 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 TTS, très très spirituel, mais ton corps ne répond plus. Comprenez un petit peu. Donc tu peux être super spirituel et puis faire ça. Et j'ai vu des gens normalement être pleinement reposés dans le corps, mais ne pas avoir cette opportunité-là d'avoir leur être intérieur reposé. Ça va? Donc on va vraiment explorer tous ces aspects-là ce matin. Alors lorsqu'on parle de l'idée d'être reposé en son être entier, on parle du corps, âme, esprit. Dans le repos du corps, il y a des questions qu'on doit être appelé à pouvoir juste être sensibilisé par rapport à cela. L'importance du repos va impliquer l'idée même du sommeil. Comment est-ce que tu fais convenablement tes nuits? Et puis ça a l'air très très pratico-pratique, très 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 terrien, mais la vie spirituelle est aussi très 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 terre à terre et la réalité en tant que tel. Donc, à pouvoir veiller sur tes nuits de sommeil, à pouvoir veiller sur ta nourriture, tes habitudes alimentaires, sur tes exercices physiques, sur tout ce qui est au niveau de ta posture. Comment est-ce que tu prends soin de ton corps? Là, on a utilisé ce verset-là à tellement à tort en disant l'exercice corporel est utile à peu de choses, mais la piété est utile à tout. Il dit c'est utile à peu de choses, mais c'est quand même utile. Il faut garder ton corps en santé, en tant que tel. Et si tu ne gardes pas ton corps en santé, ça va être difficile de pouvoir continuer dans ta marche. Et ça va être difficile. Donc, il y a tout l'aspect de pouvoir normalement garder ton corps en santé, à pouvoir te questionner sur tes habitudes de vie, sur ton nombre devant l'écran, sur ta consommation, sur toutes ces choses-là, de réfléchir pour dire est-ce que mon corps est maintenu en santé. Parce que notre corps nous a été prêté, le Seigneur nous a prêté notre corps et nous sommes des intendants de notre corps. Ça va? Donc nous gérons notre corps, donc nous devons prendre soin. Et lorsqu'on parle de l'idée du repos, on doit se poser la question pour dire comment est-ce que je traite mon corps? Comment est-ce que je prends soin de mon corps afin de le garder en santé? Lorsqu'on parle de l'idée du repos, on doit penser aussi à l'âme. Et il y a un passage dans les Écritures qui me touche énormément. Ça se trouve dans 2 Pierre, chapitre 2, où est-ce que la Bible parle de Lot. Et dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 8, la Bible parle de Lot. Et puis c'est l'apôtre Pierre qui parle un petit peu de ça, mais qui fait réfléchir. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Lot? Lot était le neveu d'Abraham, pour ceux qui ne savent pas. Lot est le neveu d'Abraham. Lot, à un moment donné, avec Abraham, ça se passait difficilement bien. Et Abraham a dit, écoute, là, ça ne marche plus. Tes bergers sont en chicane avec mes bergers. Et puis, choisis un chemin. Il était sur un endroit et il dit, choisis un chemin. Si tu vas à gauche, moi, je vais à droite. Si tu vas au nord, moi, je vais au sud. On va vraiment être séparés. Puis, Lot regarde les différents lieux. Et il voit de loin un endroit super fertile, un endroit super verdoyant, un endroit qui est vraiment cool, où est-ce qu'il peut s'établir avec son troupeau et ses bergers, et avec sa famille. Et l'endroit en question est vraiment en direction de Sodome et Gomorre. Et il dit, ok, je vais là. Et il va s'établir là. C'est un endroit économiquement prospère. Où est-ce que c'était bien développé? Où est-ce que les choses allaient bien? C'était fructueux. Sauf que voici ce que la Bible dit par rapport à cela. On dit, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme. À cause, puis là c'est le point qui est très clé, il dit, à cause de ce qu'il entendait et voyait de leurs œuvres criminelles. Donc, d'un point de vue corps, et cher, corporel, c'est super cool, c'est super beau, le pays est prospère, ça va bien, et puis je me trouve au milieu de Sodome et Gomorre, et les choses vont bien, il était riche, Lot. Mais d'un point de vue spirituel, d'un point de vue de l'âme, la Bible déclare que chaque jour, son âme était tourmentée. Est-ce que je peux vous suggérer quelque chose? Ça se peut-tu que, des fois, corporellement, on peut vivre des choses? Non, on peut, si normalement tu
J'ai tellement, il y a cette semaine, pas plus tard que cette semaine, on recevait une personne chez nous et puis elle nous partageait que j'avais besoin de prendre des vacances. Elle me disait, elle racontait comme ça, elle dit j'avais besoin de prendre des vacances. Je suis allé prendre des vacances dans un coin. Puis elle dit, dans son explication, c'était dans un resort là avec la plage et toutes les, toutes. Et puis elle dit, après 2 jours, j'ai dû quitter le coin parce que je me sentais pas bien. Tu sais, elle dit tout était beau. Tu es au bord de la plage, etc. Mais elle dit, toute l'ambiance, elle dit, je sentais que si je restais là, j'allais tomber, littéralement. Elle dit, j'allais m'effondrer. Donc, elle dit, après 2 jours, donc, corporellement, c'est que d'un point de vue, j'ai corporellement, physiquement, je dis corporellement, physiquement, le coin est magnifique, le cadre est magnifique, tu as la bouffe à gogo, tu es vraiment dans toute la mouvance, mais spirituellement, son âme était tourmentée et il fallait qu'elle quitte. Puis elle explique, elle dit, après 2 jours, elle dit, du coup, je n'ai pas pris de vacances, je suis fatiguée. Donc, mais elle dit, après 2 jours, il fallait qu'elle quitte parce que son âme était tourmentée. Et tellement des fois, puis je sais pas, on peut normalement vivre des moments comme cela où est-ce que d'un point de vue spirituel, d'un point de vue de l'âme, notre âme est tourmentée. Et le gros danger, c'est de pouvoir devenir insensible aux tourments de ton âme. Ça va? On peut aimer physiquement, on peut aimer aller en vacances et puis vivre des choses. Mais le croyant a besoin de ne pas être insensible au tourment de son âme. Si ton âme est dérangée, si tu te sens, le croyant est invité à ne pas être insensible au tourment de son âme. Et même dans mes choix personnels de vacances, j'essaie de trouver des endroits où est-ce que je vais être bien corps, âme et esprit. Pas juste, on va aller triper, etc. ou quoi. Puis je vous partage juste un inside là. Un de mes endroits, bon, ça n'a pas l'air ça, mais pour moi c'était bien, bénissant pour moi. Quand je prenais mes vacances en été, je me prenais une passe habituellement de la ronde. J'aime les manèges. Particulièrement les montagnes russes. Mon gars, il sait ça, on le fait ensemble souvent. Et pour moi, faire le Goliath était un endroit de paix. Ça a l'air de ça, là. Ça n'a pas l'air de ça, mais pour moi, je crie, et puis une fois que je finis, à cause du pic d'adrénaline, j'ai besoin de pouvoir m'asseoir et puis relaxer. T'sais. Puis, ça m'amenait juste comme un peu cette dose-là. Puis, je carburais à ça très, très souvent. En été, tous les lundis, j'étais à la ronde. Puis, j'étais habitué de la ronde comme cela, aller faire plusieurs manèges. Puis, on essayait. Puis, finalement, j'ai donné la piqûre à mes gars. Et puis, on fait tous les manèges. Et puis, on est tout le temps en train d'essayer le manège le plus intense. Mais on essaie de trouver, même dans mes activités ludiques, j'essaie de trouver des endroits où est-ce que je peux avoir aussi une paix de l'âme, pas juste ça. Donc, toute l'âme, c'est tout ce qui est au niveau de la gestion des émotions, tout créer. Je vous ai partagé la ronde. Comprenez très bien que si vous dites la même chose à mon épouse, j'ai de la misère à la faire rentrer dans un seul manège. Un seul, c'est pas, pour elle, ce n'est pas sa zone de repos. C'est une zone de tourment pour elle. C'est que quand elle sort de là, elle ne va pas bien, elle a mal au cœur, elle veut juste s'en aller. Elle vient scraper notre activité. Donc c'est un endroit de tourment pour elle. Donc, c'est de pouvoir normalement être capable de dire, OK, c'est quoi ma zone de repos? C'est ça. C'est ça. Donc, c'est ça. C'est quoi ma zone de repos? Donc, ma zone de repos à moi n'est pas forcément celle, la tienne. Et c'est de pouvoir dire, OK, j'identifie à travers... C'est ça l'introspection. Hein. C'est quoi ma zone de repos? Où est-ce que je peux normalement être bien? Où est-ce que l'atmosphère est super? Puis, entouré encore dans ta zone de repos. Une des choses que je faisais normalement, quand je partais faire des manèges souvent, je me mettais des fois même des écouteurs, puis je mettais la louange dans les manèges. Donc, ça, c'était pour moi une... On dit, mais les gens disaient, donc même bizarre. Mais c'est vrai. Ça me faisait juste comme... C'était une zone de repos pour moi.
Donc, identifie ta zone de repos pour ton âme. Où est-ce que tu te sens bien? Où est-ce que vraiment tu ressors de la vie? Ok, tu sens que le Seigneur te fait du bien en tant que tel. Identifie ce qui te nourrit, ce qui nourrit ton être intérieur. L'atmosphère de louange était, pour moi, chez nous, était un environnement. Quand juste mettre un petit peu un fond de louange dans ma maison, souvent, normalement, ce n'est pas grand-chose, mais ça amène une atmosphère de juste paix. Je rentre chez nous et puis je suis bien. J'ai hâte de rester chez nous, de rentrer chez nous. C'est que je ne vais pas aller niaiser dehors. Donc, c'est vraiment ça. C'est d'être capable des fois d'identifier comme cela et puis de pouvoir veiller à ce que tu sois reposé physiquement, mais reposé aussi dans ton âme. Et aussi, on termine avec l'idée de l'esprit. Où est-ce que toute la zone de l'esprit, la zone de ravitaillement, où est-ce que l'esprit de Dieu vient te toucher? Nous sommes faits de corps, âme. Âme, c'est toute la gestion des émotions, des pensées, etc. Ça. L'esprit, c'est tout ce qui est au niveau spirituel, au niveau... Souvent, on va associer l'esprit à tout le niveau de la conscience. Où est-ce que l'esprit de Dieu vient toucher notre esprit humain pour pouvoir normalement nous amener à pouvoir faire les choses selon Dieu? Et c'est une zone de ravitaillement pour nous. Nous avons besoin d'être ravitaillés. Nous avons besoin aussi, Caro, la semaine dernière, a parlé de cette zone-là de refuge, de se réfugier en sa présence, de cette zone de refuge. L'apôtre Paul parle de cela dans Éphésiens 5, verset 18, en disant, soyez, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Le terme grec utilisé en disant, soyez remplis du Saint-Esprit, c'est un terme normalement en aoriste actif. Il dit littéralement, soyez continuellement remplis. C'est que si on veut le traduire littéralement, c'est vraiment soyez continuellement remplis de l'esprit. C'est comme si nous sommes un petit peu des fûts percés. Donc, il y a toujours quelque chose qui se déverse de nous et nous avons un besoin d'être continuellement remplis. En fait, les événements de la vie, les situations, les épreuves, tout ce qu'on peut traverser nous amène à toujours, il y a toujours quelque chose qui se déverse. Et nous avons besoin de continuellement rempli. Dans les Écritures, dans Actes chapitre 2, puis je ne vais pas être trop long ce matin. Dans Actes chapitre 2, la Bible déclare que le jour de la Pentecôte, il fut rempli du Saint-Esprit. Vous lisez Actes chapitre 4, où est-ce que la persécution arrive, ça commence à être un petit peu chaud, etc., tout ça. Et la Bible déclare qu'ils font une prière à Dieu en disant, Père, entends notre prière. Parce que là, il y a la pression qui vient sur nous. Et la pression vide. La pression vide. Et entends notre prière. Puis la Bible déclare qu'il fut de nouveau rempli. Alors qu'ils étaient remplis il n'y avait pas longtemps. Mais on avait besoin encore d'être remplis. Et j'aimerais vous déclarer qu'encore aujourd'hui, nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Et l'endroit de... L'endroit normalement de... Comment on appelle ça? L'endroit de repos spirituel est tellement essentiel. La présence de Dieu est une zone de ravitaillement pour nous. Donc, il y a ce besoin de pouvoir être conscient de notre repos du corps, notre repos de l'âme. Et notre repos de l'esprit aussi. Où est-ce qu'on vient de ravitailler dans la présence de Dieu pour pouvoir faire face aux défis à venir, pour pouvoir normalement continuer à avancer. Et ce qui est fascinant, lorsque Jésus parle du repos et Dieu parle du repos, le repos, est, on va voir que dans les Écritures, Dieu s'est reposé le septième jour. L'homme a besoin à tous les jours de dormir un petit peu. Vous êtes d'accord avec moi? En fait, on a besoin du repos tout le jour. Sinon, on ne fonctionne pas. Qui est capable de faire 24 heures sur 24? Tu peux faire 24 heures forcées, là. 48 heures, ça commence à être pas mal dur. 72 heures, tu es malade. Et puis, 96 heures, on t'amène à l'hôpital. Comprenez-vous un petit peu? Parce que tu as besoin de repos tous les jours. C'est que dans l'avancée de l'homme, il y a cette espèce-là de cyclique au niveau du repos. Donc, Dieu te permet d'avoir... Les saisons de la vie, et puis je vais vraiment terminer après avec ça. Les saisons de la vie
sont faites de façon, quand je parle de ça, sont faites de façon, il y a un côté linéaire, dans le sens que, je prends un exemple bien concret, si quand Jérémie, mon fils, était petit, on a décidé de le nourrir au lait industriel au lieu du sein maternel, c'est linéaire ça. Il ne peut pas à 15 ans me dire, ah oh, papa, j'aurais dû être nourri au sein, et puis non, là je retourne à aller chercher du sein. C'est linéaire, c'est juste trop tard. Mon gars, c'est passé. Dans notre vie, il y a des zones comme cela, il y a des saisons qui passent et qui ne reviennent jamais. C'est fait comme ça. Et il y a ce qu'on appelle des saisons cycliques, comme l'automne, l'hiver, printemps, été. Automne, hiver, printemps, été. Automne, ça revient. De façon cyclique aussi, les jours de semaine, les mois, etc. C'est de façon cyclique que ça revient. Et le repos en fait partie. Ça revient de façon cyclique. Et on a besoin cycliquement de continuellement se reposer en avançant. Donc ça fait comme un petit peu en avançant, progressant, en évoluant, etc. Tout ça. Donc c'est vraiment ça. Et le Seigneur nous interpelle en cela, dit, venez chercher continuellement du repos. Efforcez-vous à rentrer continuellement dans le repos. Rentrez dans le repos. Vous avez besoin d'entrer dans le repos. Vous avez besoin de pouvoir vous reposer. Vous avez besoin, et puis, pourquoi est-ce que j'insiste tellement là-dessus? Pourquoi est-ce que Dieu insiste tellement là-dessus? Parce que sans repos, tu ne fais pas long feu. Sans repos, ton feu est toujours temporaire. Tu peux être extrêmement passionné, tu peux être extrêmement en désir de faire des choses pour Dieu, tu peux être extrêmement craqué, comme on le dit en bon québécois, mais sans repos, tu ne continues pas longtemps la route, alors que le chemin est long, alors que le chemin est beaucoup trop long pour toi. Vous savez, je vais terminer avec ça en conclusion et puis réafficher mes questions. Dans les sept questions en conclusion de ma si longue série, dans mes sept questions, on a commencé avec l'idée de l'identité. On ne voulait pas réaliser là, mais le « qui es-tu » était vraiment une question que Jésus lui-même s'était posée en disant « qui suis-je, moi, le Fils de l'homme ?» Mais il a amené sur l'idée de l'identité. Et sur l'idée de l'identité, je voulais parler un petit peu des trois choses, comment est-ce que la société nous voyait, comment est-ce que des fois nos proches nous voyaient, mais la révélation du Père était vraiment essentielle. Et qui es-tu, normalement, te permet de pouvoir découvrir ton identité. Que cherches-tu, te permet de pouvoir découvrir tes objectifs. Qu'est-ce que tu cherches réellement, te posant la vraie question. Où es-tu, te permet de pouvoir réaliser d'où tu pars pour atteindre tes objectifs. Tu as un but final, là, mais tu pars d'où, toi, là, pour atteindre tes objectifs. Puis, est-ce que c'est réaliste, d'où est-ce que tu pars. Le qu'as-tu dans la main permet de pouvoir réaliser quelles sont les ressources que Dieu t'a données. Les ressources humaines, mais aussi les ressources en talent, en dons, en compétences, etc., tout ça. Ça te permet de pouvoir réaliser cela. Donc, ça te fait une introspection vraiment très large, là. Avec qui marches-tu, te permet de pouvoir réaliser les gens qui sont à tes côtés, les gens qui sont très proches, qui sont moins proches, et des gens qui sont éloignés. Mais avec qui marches-tu? Et comment est-ce que c'est essentiel au niveau de l'impact qu'ils ont dans ta vie en tant que fréquentation? Où est ta foi dans l'adversité te permet de pouvoir te questionner sur qu'est-ce que tu vas faire face aux épreuves. Parce que dans la recherche d'atteindre tes objectifs, il y en aura des épreuves. Il y en aura des blocages, il y en aura des montagnes, des géants et toutes sortes de choses. Mais comment est-ce que tu vas faire face à cela? Et la dernière question ce matin-là, sur comment te renouvelles-tu, te permet de pouvoir te questionner réellement sur comment rechargeras-tu tes batteries dans le voyage de la vie. Parce qu'on parle de la vie. Et la vie est longue. La vie est un marathon. C'est un véritable marathon. Tu ne peux pas... On veut être extrêmement craqué. Et puis moi, aujourd'hui, ça fait à peu près... Depuis 1995, j'ai décidé de suivre le Seigneur. Et puis je termine vraiment avec ça. J'ai décidé de suivre le Seigneur depuis 1995. Ça fait plus de 20 ans, on parle de 28 ans maintenant, déjà. Waouh! Je viens de réaliser moi-même, excusez-moi.
enfin, 28 ans maintenant, 27 ans maintenant que je suis le Seigneur à travers les saisons. Et en 27 ans de vie chrétienne ou de marche de foi, j'en ai vu des gens craquer pour Dieu, des gens extraordinaires. J'en ai vu des feux incroyables. Mais j'en ai vu aussi des gens, trop de gens s'en aller. J'en ai vu des gens se refroidir dans le temps. J'en ai vu des gens aussi abandonner. Et moi, ma prière, là, c'est de pas de voir juste des chrétiens qui t'offrent la ronde. J'aimerais voir des chrétiens victorieux en feu, en foi, qui font une différence. Des chrétiens remplis du Saint-Esprit. Des chrétiens qui marchent dans le surnaturel, dans la grâce de Dieu, mais qui ont une vie passionnée et passionnante. Des chrétiens inspirants. Moi, j'aimerais voir des chrétiens, hein, quand on vous regarde, là, on a le goût de suivre Jésus. C'est, l'apôtre Paul dit, nous sommes des lettres vivantes, là. Donc, quand des gens nous voient, qu'ils soient capables de lire le caractère de Christ, la vie de Christ, la joie de Christ, la puissance de Christ, et capable de lire l'amour de Christ, et capable de lire ce que Dieu a fait dans ta vie en tant que tel. Moi, j'aimerais savoir ça. Mais le temps est long. Simon disait, l'épreuve du temps, là, le temps est long. Et le temps est long. Et pour être capable de pouvoir être constant dans la marche, là, tu as besoin de recharger tes batteries. Tu as besoin du repos. Le repos, là, ce n'est pas une option, c'est essentiel. Et tu as besoin de recharger tes batteries corps, âme, esprit. Et j'aime toujours, puis je finissais mon message, puis j'ai eu cette image, j'ai déjà prêché ça ici plusieurs fois probablement, l'image de Moïse, quand Dieu se révèle à Moïse pour la première fois, je termine avec ça, pour la cinquième fois. L'image de Moïse, quand Dieu se révèle à Moïse, la Bible déclare que Dieu s'est révélé à Moïse au travers d'un buisson ardent. Puis, je vais même inviter Mathieu, s'il peut venir avec la guitare tranquillement. À travers d'un buisson ardent. Et la particularité du buisson, ça choquait Moïse. La Bible déclare que voici le buisson était en feu. Puis Moïse a dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Et ce qui a choqué Moïse, ce n'était pas le buisson en feu. La Bible déclare que, normalement, il dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Et pourquoi le buisson ne se consume pas? La réalité est que, d'un point de vue logique, géographique, etc., tout ça, à 50 degrés à l'ombre, dans le désert de Sinaï, il y a des fois où est-ce qu'il y avait des buissons secs qui prenaient feu toutes seules, rapidement, en tant que tel. Et c'était l'image que Dieu utilisait pour pouvoir se révéler à Moïse. En fait, Moïse lui-même avait déjà été lui-même spirituellement un buisson en feu. Dans le feu de sa jeunesse, il était extrêmement passionné, il voulait absolument délivrer le peuple d'Israël. Et il a tué un Égyptien. Son feu a permis de tuer un Égyptien à vouloir organiser une espèce de rébellion. Mais son feu s'est éteint très rapidement. Comme les feux qu'il prenait dans les différents buissons habituels du désert. Et pourquoi je vous partage cela? Je vous le dis là, je vous partage mon cœur là. J'ai trop vu, même dans l'église de Jésus-Christ, des buissons en feu. Des gens qu'il y a une passion tout de suite. Ah, puis là on veut faire une différence, il y a un feu. Je suis excité pour ce feu-là. Mais à chaque fois dans mon cœur, je dis, oh Seigneur, fais que ce feu-là dure en tant que tel. Puis Dieu utilise cette image-là en disant, tu as été un buisson en feu. Mais moi, là, j'ai un feu pour toi. Et la particularité de mon feu, ton buisson va brûler. Mais il n'arrête pas de brûler, il ne se consume pas. Je suis capable de pouvoir animer un feu dans ta vie qui va brûler sans te consumer. Puis moi, c'est ma prière, ça. Je dis, Seigneur, je veux des chrétiens qui sont comme des buissons qui brûlent, mais qui ne se consument pas. Dieu utilise cette image en disant,
Je vais être... Et il dit, je vais me retourner. Pourquoi est-ce que ce feu-là brûle et ne consume pas le buisson? Je prie pour des gens qui vont normalement continuellement avoir un feu renouvelé, qui va continuer dans le temps, dans les saisons, à travers les difficultés. Vous savez, on vit dans un contexte extrêmement particulier. On vient de sortir, on n'est pas encore sorti, on est encore dans une pandémie, crise économique, guerre en Ukraine. Tu dis, Maï, on est dans une situation de grande incertitude, là, où est-ce qu'on ne sait pas trop quelque chose. Mais à travers tout ça, le Seigneur, normalement, veut nous embraser afin qu'on soit des gens qui brûlons sans se consumer. Et si c'est notre désir ce soir, ce matin, si c'est notre désir dans notre cœur aujourd'hui, alors qu'on est dans une démarche d'introspection là, qu'on puisse vraiment terminer avec cette réflexion et cette prière là. Je vais vous inviter à tous se lever ensemble et à pouvoir terminer ensemble. J'ai affiché les 7 questions et on a fait un très long voyage ces dernières semaines et mois. Sur l'idée de l'identité, sur l'idée de tes objectifs, d'où est-ce que tu pars, sur toutes ces idées-là, l'idée normalement de quelles sont tes ressources, à qui t'accompagne dans tout ça, où est ta foi dans les épreuves. Mais que tu puisses t'arrêter une dernière fois pour dire, Seigneur, je veux être en feu pour toi, je veux être passionné pour toi, je veux crier vers toi. Mais je veux un feu qui ne se consume pas. Je veux un feu qui continue. Je veux que tu me renouvelles, que tu renouvelles ta présence dans ma vie, que tu renouvelles ton esprit dans ma vie, que tu renouvelles ta grâce sur moi, que tu renouvelles ta puissance sur moi, que tu renouvelles tes dons dans ma vie, que tu renouvelles ma passion pour ton nom, que tu renouvelles mon zèle pour l'évangile, que tu renouvelles ma ferveur pour toi, que tu renouvelles ma passion, ma ferveur dans ma vie de prière, que tu renouvelles mon amour pour ta parole, que tu renouvelles ma soif de Dieu, que tu renouvelles tout en moi, afin que les jours deviennent des semaines deviennent des mois deviennent des années, et qu'encore et encore et encore, on puisse me voir entièrement, totalement amoureux de Jésus, passionné pour toi, prêt à être embrasé encore pour toi et prêt à changer le monde. Je veux, Seigneur, te laisser la place dans ma vie. Je veux te laisser, Seigneur, te laisser me renouveler physiquement, me renouveler intérieurement, me renouveler spirituellement, me renouveler dans tout mon être entier et de pouvoir maintenir un équilibre afin que je sois en santé, corps, âme et esprit dans le nom de Jésus. Si c'est votre désir ce matin, on va faire une dernière prière ensemble, s'il vous plaît. Et on va vraiment crier à Dieu pour notre cœur et notre âme. Je crois vraiment à des hommes et à des femmes que Dieu veut propulser dans une maturité spirituelle. Où est-ce que vous allez vivre une vie chrétienne saine, équilibrée, avec foi et avec puissance. Je le crois tellement. Où est-ce que vous êtes des chrétiens en feu qui ne se consumaient pas. Qu'on puisse vraiment faire cette dernière prière-là. Donc, commencez à parler à Dieu. Mettez votre main sur votre cœur simplement comme cela. Dernière fois, ensemble. Pour dire, Père, je me remets en tes mains. Je remets ma vie en tes mains. Je remets mon cœur en tes mains. Dans cette série introspection, je veux m'arrêter. Je veux prendre conscience. Je veux prendre conscience de ce besoin-là de me reposer, corps, âme, esprit. De ce besoin-là de pouvoir être équilibré dans ma marche, dans ma vie, dans ma foi. De pouvoir être en feu, être renouvelé par ta grâce, ta présence. Et laisser ton esprit faire ton œuvre en moi. C'est mon désir, on termine comme ça en prière, avec simplicité. Vous savez, le Seigneur est là ce matin. Et il y a certaines personnes qui sont touchées. Le Seigneur est en train de mettre vraiment... Je ressens dans mon esprit qu'il y a certaines personnes, qu'il y a des images là, claires dans votre esprit.
où le Seigneur met des points pour dire, hé hey, mon gars, hé hey, ma fille, il y a des zones dans ta vie où est-ce que tu as besoin de faire des réajustements. Des réajustements dans ta façon, dans certains choix de vie pour retrouver un équilibre corps-âme-esprit. Il y a peut-être des zones où est-ce que le Seigneur te appointe. Puis, s'il appointe, s'il te plaît, obéis-le. Ce n'est pas un homme qui va te dire, ah non, ça enlève ça dans ta vie. L'Esprit de Dieu te convainc toi-même dans ton cœur et dans ton esprit sur des choses. Et s'il le fait, marche dans l'obéissance. Marche dans l'obéissance et obéis-le. Obéis-le. Marche dans l'obéissance. Et laisse son esprit te faire du bien ce matin, te toucher ce matin, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Sa présence est là ce matin. Sa présence se meut dans la salle. Mouvement de la présence de l'Esprit de mouvement de l'Esprit de Dieu ici qui te touche dans ce que tu vis, dans ta situation. Il y a des personnes que Dieu veut, je sens dans mon esprit qu'il y a des personnes que Dieu veut renouveler votre ferveur pour la prière. Et ces derniers temps, je ne dirais même pas ces derniers temps, cette dernière année a été particulière au niveau de ta ferveur au niveau de la prière. Elle a baissé en intensité, tu le sais. Tu étais souvent dans la culpabilité pour dire, oh, je devrais... Et le Seigneur ne veut pas normalement t'amener dans une culpabilité, mais il veut quand même réactiver ta ferveur de prière. Et je sens dans mon esprit cela. Et je sens dans mon esprit, cette personne-là avait un cœur d'intercesseur, priait. Dieu l'amenait dans plusieurs paroles, des orientations, des inspirations, pour prier pour des gens, pour des situations, ou est-ce que, et pour aller même dans des combats spirituels, où est-ce que Dieu intervenait de façon tellement surnaturelle, etc. Et cette dernière année, pour plusieurs raisons, des bonnes raisons des raisons moins pertinentes, ta ferveur a baissé. Et Seigneur, aujourd'hui est une journée de restauration pour toi. Ce matin est une matinée de restauration pour toi dans le nom de Jésus. Et il veut réactiver cette ferveur-là pour la prière. Tu es venu ce matin et tu es venu avec un cœur plein de doutes et en questionnement. Et le Seigneur vraiment te touche ce matin, te rencontre ce matin et t'invite à un temps d'introspection dans ta propre vie. T'invite à un temps d'introspection dans certains choix, dans certaines directions. Tu es en questionnement de direction pour ta vie. Le Seigneur te touche ce matin d'une façon puissante et tangible. La parole est pour toi. Reçois-la au nom de Jésus et que la puissance de Dieu te visite. Alléluia. Merci Seigneur Dieu pour ton œuvre que tu fais. Merci pour ton action, pour ta présence, Seigneur, pour ta direction. Merci parce que tu renverses les forteresses de peur. Personne qui est venu ici tellement de fois, la peur a été l'arme fatale de l'ennemi pour te paralyser. Aujourd'hui est une journée de délivrance. Aujourd'hui est une journée de délivrance. Aujourd'hui est une journée de délivrance. Père, merci parce que tu renverses les forteresses de peur. Tu abats le géant de l'anxiété au nom de Jésus. Tu abats, Seigneur Dieu, le géant de l'anxiété et des peurs, Seigneur. Et tu nous donnes, Seigneur, un esprit de force, une foi inébranlable. Ta grâce nous accompagne. Merci pour ton action, Seigneur Jésus. Que la gloire, l'honneur et la puissance te reviennent. Si on est d'accord avec une prière comme cela, nous le scellons, Seigneur Dieu, c'est la prochaine saison dans nos vies, Seigneur Dieu. Et si on est d'accord avec ça, qu'on puisse terminer avec un grand Amen ce matin, en acclamant très fort Jésus. Très fort Jésus.